Après la signature de la convention de partenariat entre le département ministériel et CAIRE Côte d'Ivoire, pionnier des ARECs en Côte d'Ivoire, nous avons initié, dans l'optique de la mise à l'échelle des ARECs, la création d'un cadre réglementaire. Mesdames et messieurs, dès l'avènement des ARECs en Côte d'Ivoire, de dynamiques femmes, elles-mêmes membres d'ARECs, ont pu atteindre une autonomisation financière par la mise en place d'activités économiques rentables grâce à la mobilisation des parcs propres et bien d'autres activités générales. Et à ce stade de mon propos, je voudrais dire que les ARECs en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les cadres. Nous avons l'accompagnement en alphabétisation pour nos mamans qui ne savent ni lire ni écrire avec le programme de filets sociaux. Ces braves dames ont obtenu des résultats probants par la mise à l'échelle des ARECs, en créant un système de mise en place et d'encadrement d'ARECs. Cette prise d'initiative leur a valu le surnom des femmes Amazon. Vu les résultats probants obtenus par les méthodes de création et de duplication des ARECs, environ 150 ARECs créés par personne et par an, et confiant que ce système des femmes Amazon va contribuer efficacement à la mise à l'échelle des ARECs en Côte d'Ivoire, le ministère de la Cohésion et CAIRE Côte d'Ivoire se sont engagés à les accompagner à travers un pilote sur une année.